Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition, réédition de 22h, au sommaire de l'actualité. Mise en place du nouvel système d'approvisionnement des produits de santé du CAM. Nouvelle mondiale dans le sommet de l'ONU. Pacte pour l'avenir. L'ONU s'engage face aux défis du 21e siècle. Les détails dans ce journal de ce soir. Le journal au complet à présent, mesdames et messieurs. Il y a quelques jours, son excellence, M. Mostafa Mohamed Mahmoud, ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, a reçu dans son cabinet le directeur général du Centre de technologie et d'innovation pour le développement et manager de la team Djibouti Robotics, M. Samatra Abdi Ousmane. Il conduisait une délégation de jeunes djiboutiens et djiboutiennes composée de 4 élèves participants âgés de 14 à 18 ans et de leur coach au concours mondial du First Global Challenge qui se déroulera cette année du 24 au 30 septembre 2024 à Athènes. Ce concours international prestigieux vise à promouvoir l'éducation et les carrières dans les domaines des STM à travers des compétitions de robotique de style olympique. La participation des Djibouti pour la 6e fois à cet événement parmi les délégations de 190 pays promet de stimuler l'intérêt des jeunes djiboutiens pour les STM et d'encourager des carrières innovantes au service de notre marché local. La team Djibouti Robotics, qui participe depuis 2019 à cette compétition mondiale, a un impact majeur en inspirant les jeunes talents à développer des solutions créatives basées sur les STM pour l'avenir de Djibouti. Le ministre n'a pas manqué de féliciter chaleureusement l'équipe de la CTID et son manager pour leur engagement à promouvoir les sciences, technologies, ingénierie, arts et mathématiques à Djibouti depuis leur création en 2017. Il a également exprimé son souhait d'explorer une collaboration future entre le ministère, le MENFOP et la CTID pour renforcer les initiatives en robotique dans les établissements scolaires. Enfin, il leur a prodigué des précieux conseils et a souhaité bonne chance à l'équipe pour ce concours international de grande envergure. Afin de renforcer la chaîne logistique d'approvisionnement pour une meilleure gestion des produits de santé, le ministère de la Santé, par le biais de la CAM, a donné le coup d'envoi du lancement de la phase d'expansion du système d'information logistique à travers l'utilisation du logiciel Open M-Supply. Ce projet vise à améliorer la gestion des vaccins et des produits de santé à travers tout le pays en renforçant la chaîne d'approvisionnement dans les structures de santé. En partenariat avec ses partenaires financiers et techniques, le ministère de la Santé vise à développer et mettre en œuvre un système électronique d'information sur la gestion de la logistique. Ce système, qui avait été déployé comme projet pilote pour les trois maladies prioritaires ainsi que l'appui du FUNIA pour la santé de la mère et de l'enfant à partir du 15 mai 2023. Ce processus informatisé va faciliter la gestion des stocks et la préparation des commandes, la collecte et l'affichage des données complètes sur la disponibilité des produits, les dates de présomption et les coûts. Grâce à ce système, tout le personnel de santé, du personnel du centre de santé aux responsables de l'administration de la santé, peut rechercher la disponibilité d'un médicament spécifique dans sa zone ou effectuer un zoom arrière pour avoir les flux nationaux d'offres et de demandes. Open M-Supply, ce logiciel permettra une gestion efficace des stocks, des commandes, des médicaments et du suivi des vaccins tout en assurant une transparence totale dans la chaîne du froid et représente une avancée majeure. Le lancement de ce projet de grande envergure a vu la participation du secrétaire général du ministère de la Santé, M. Mohamed Ali Mohamed, la représentante du FUNIAB, Mme Aïcha Ibrahim, du directeur général de la CAM, le Dr Hassan Abdelrahman Elmi, mais aussi la directrice générale de l'offre de soins, Mme Sahara Moussa Abouh. Pour rappel, après une phase pilote réussie, financée par le FM, le PNUD et le FUNIAB, cette expansion, prise en charge par les fonds Gavi et la Banque mondiale, couvrira tous les unités de vaccination, hôpitaux et postes de santé du pays. Distribution de toutes les directions que ce projet sera une réussite. Donc je remercie la DCME, je remercie le programme VIH, la TB, le PALU, le PEV, sur lequel on sera ensemble sur ce projet. Je remercie aussi les gens avec qui on a initié le projet, Dr Buh, Roblet. On écoute à présent la représentante résidente du FUNIAP, Mme H. Ibrahim, qui a indiqué que la FUNIAP prendra en charge un module supplémentaire sur la partie prise en charge et le suivi des dossiers des patients. On écoute. Du secteur pharmaceutique, qui est quand même un pilier important du renforcement du système de santé. Et
Donc juste pour revenir à cette partie d'informatisation, elle répond à l'objectif 2 de la politique pharmaceutique nationale, qui est de mettre en place un système d'approvisionnement efficient et résilient, capable de garantir une accessibilité physique, géographique et une utilisation rationnelle des médicaments et des produits de santé sûrs, efficaces et de qualité. Il répond aussi au plan d'action de la stratégie de la chaîne d'approvisionnement, qui est la mise en place d'un système de gestion de stock et le suivi de stock en temps réel au niveau central et périphérique. En même temps, en tant que FUNIAP, nous avons renforcé les capacités des prestataires de santé sur la base de deux guides importants, qui sont le guide de gestion de stock et le guide de quantification. Donc tout ça, pour nous, vraiment, ça a été important que l'introduction des produits que nous, le produit de santé reproductive, c'est-à-dire de santé maternelle et le produit contraceptif, ait été intégré déjà au niveau de la première phase, et que ça a donné de résultats quand même très, très, très intéressants et à temps réel. Je crois que tout à l'heure, quelqu'un était en train d'en parler. Le secrétaire général du ministère de la Santé a quant à lui souligné que cette nouvelle méthode permettra d'éviter les ruptures de stock des intrants de première nécessité et des conséquences irrécupérables chez le demandeur de service, et s'assurer que les malades reçoivent un traitement correct et efficace. Nous nous réunissons pour procéder au lancement de l'extension de l'application M-Supply, qui est une étape cruciale dans l'amélioration de la gestion des intrants médicaux dans notre pays. Nous nous rappelons que le projet pilote qui a été confié à la CAM en raison de ses missions a débuté en juin 2023. Il a été implanté dans 18 structures sanitaires et concerné l'informatisation de la gestion des produits des 3 programmes nationaux de santé que sont le programme VIH-SIDA, le programme de lutte contre la tuberculose et celui de la lutte contre le paludisme. Quelques mois après l'évaluation de ce projet pilote, nous avons noté des résultats prometteurs. Nous avons constaté que les structures ont gagné un certain nombre d'éléments, comme gagner du temps, éviter les déplacements inutiles de responsables, éviter les ruptures de stock, améliorer la traçabilité et la transparence de la gestion, éviter les péremptions des articles, obtenir des données de qualité de consommation qui nous ont permis de mieux quantifier et aussi une meilleure prévision. La délégation djiboutienne en déplacement en Égypte, après son arrivée au Caire le 17 septembre 2024, dans le cadre de la participation à la 17e édition du Festival international de Samar. La délégation composée de plusieurs grands artistes est glorieusement illustrée avec brio lors de la première étape des performances en solo et musique moderne sur fond des chants spirituels, lancée le 20 septembre 2024. Cette première soirée a été marquée par la participation de plusieurs pays venus célébrer la diversité spirituelle et culturelle. L'ensemble de membres de la délégation djiboutienne, ainsi que son Excellence Monsieur l'ambassadeur Ahmed Ali Barré, ambassadeur accrédité en Égypte, y ont pris part. Les morceaux présentés par les artistes renommés de Djibouti devant des officiels et un public venu nombreux ont suscité des tonnerres d'applaudissements de la part d'une assistance émerveillée, rappelant que l'objectif principal de ce festival est de promouvoir la culture de la paix et de la tolérance, ainsi que le partage entre les différentes religions du monde. Direction le Nord, poursuite de la campagne de communication pour le changement social et comportemental en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire. C'est dans le cadre du projet USAID Play to Learn, la troisième phase des campagnes de communication pour le changement social et comportemental
Et l'éducation parentale en faveur de la petite enfance et de l'éducation préscolaire a eu lieu dans la localité du Nord, à Boli, afin de toucher un public plus large et de promouvoir des pratiques éducatives positives. Cette rencontre avec la communauté est menée par l'UNFD en collaboration avec le MENFOP et le MFF. Lancée en février 2024, cette campagne vise à sensibiliser les parents sur plusieurs thématiques cruciales pour le développement des jeunes enfants. Cette initiative a pour but de renforcer les connaissances et les pratiques des parents et des communautés en matière d'éducation précoce, contribuant ainsi à un meilleur développement des jeunes enfants. Les parents ont été nombreux à participer à la campagne. Les échanges étaient très intéressants. Écoutez à présent les explications de Madame Fauzia, directrice de la famille. De notre présence aujourd'hui, dans un premier temps, c'est de superviser ces activités qui sont financées dans le cadre du projet de l'ISAED Play to Learn. Mais aussi, notre rôle sera de compléter les informations ou les sensibilisations que l'INFD va dispenser, parce qu'en tant que ministère de la Femme et de la Famille, on a le mandat et la mission du développement de l'enfant. Normalement, on avait mis en place en 2008 des garderies et crèches communautaires au niveau du territoire. Ces garderies et crèches communautaires, c'était d'influencer les parents pour que les enfants puissent bénéficier de ces structures communautaires. Donc, depuis un certain temps, l'éducation a pris les 5 ans. Parce que les tranches d'âge, c'était les 3-5 ans pour le ministère de la Femme et de la Famille. Mais depuis 2016, si je ne me trompe pas, l'éducation a mis en place des préscolaires. Et nous, on se limite sur les 3-4 ans. Donc, les 3-4 ans, normalement, on fait des sensibilisations au temps réel, dans le cadre des plans de travail qu'on signe avec l'UNICEF, pour influencer et réveiller les parents pour qu'ils puissent inscrire ces enfants-là. C'est des structures communautaires qui sont destinées pour les familles les plus vulnérables. Parce que les familles aisées, et ils se permettent d'inscrire leurs enfants dans les privés. Mais les vulnérables, eux, ils n'ont pas cette opportunité de mettre son enfant au niveau du privé. Donc, pourquoi on a mis en place ces structures communautaires? C'est pour faire bénéficier les enfants qui sont issus des familles vulnérables. Fait divers de ce journal, dans la poursuite de leur opération anti-délinquance, les gendarmes de la brigade d'Amerjog ont mis hors état de nuire une bande de jeunes spécialisés dans le vol des batteries pour poteau d'éclairage public alimenté par l'énergie solaire. En effet, depuis le début du mois de septembre 2024, il a été constaté que plusieurs faits de vol de ces batteries sur toute l'étendue de la RN2. Les investigations menées par les gendarmes orientent vers la piste de deux individus connus des services de la gendarmerie pour des faits similaires. C'est finalement au cours d'une opération d'observation menée tard dans la nuit qui a permis l'interpellation des auteurs présumés en flagrant délit. Les perquisitions ont permis la saisie de 6 batteries volées qui étaient sur le point d'être écoulées sur le marché local. Les deux auteurs présumés ont été déférés devant la justice puis écroués à la prison civile de Gabot. Dans l'actualité internationale à présent, je vous le disais dans les titres, lors de l'ouverture du sommet pour l'avenir, l'Assemblée générale de l'ONU a adopté un ambitieux pacte pour l'avenir, un plan de 42 pages visant à rassembler les nations du monde pour relever les défis cruciaux du 21e siècle, tels que le changement climatique, l'intelligence artificielle, les conflits croissants et les inégalités. Le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, a lancé un appel urgent à l'action, affirmant qu'en ce pacte, doit revitaliser les multilatéralismes mis en rue de preuve ces dernières années. Nous avons ouvert la porte, a déclaré Guterres. Ce pacte comprend 56 mesures ouvrant des domaines clés tels que la lutte contre la pauvreté, l'égalité des sexes, la paix et la réforme du Conseil de sécurité pour mieux représenter les réalités géopolitiques actuelles, notamment en corrigeant les injustices historiques envers l'Afrique. Il marque également un soutien multilatéral inédit depuis plus de 10 ans en faveur du désarmement nucléaire et régit
l'usage des armes autonomes létales. Un aspect novateur du pacte est le premier accord universel sur la gouvernance internationale de l'intelligence artificielle, prévoyant la création d'un panel scientifique indépendant au sein de l'ONU pour évaluer ses risques et opportunités. Enfin, ce pacte engage les gouvernements à écouter les jeunes et à les intégrer dans le processus décisionnel, ainsi qu'à lever les obstacles juridiques et sociaux qui freinent les droits des femmes. Autre actualité internationale, l'agence de presse palestinienne Wafa a rapporté que les autorités israéliennes ont ordonné au personnel d'Al Jazeera de quitter les lieux avant de fermer leur bureau. Cette déclaration intervient dans un contexte de tensions croissantes dans la région avec une surveillance accrue des médias couvrant la guerre en cours d'Israël contre Gaza. Les forces israéliennes ont confisqué des documents et du matériel au bureau d'Al Jazeera, a indiqué Wafa. L'armée a également imposé une interdiction de 45 jours sur les activités de la chaîne dans la région pour des problèmes de sécurité. Malgré l'interdiction, le personnel du bureau a continué à travailler depuis Ramallah, ce qui a incité le bureau de presse israélien affilié au bureau du Premier ministre à revoquer l'accréditation de ses reporters le 12 septembre. Israël a poursuivi son assaut meurtrier sur Gaza après une attaque transfrontalière menée par le groupe palestinien Hamas le 7 octobre 2023, malgré une résolution du Conseil de sécurité de l'ONU appelant à un cessez-le-feu immédiat. L'offensive israélienne a déplacé presque toute la population du territoire dans un contexte de blocus permanent qui a entraîné des graves pénuries de nourriture, d'eau potable et de médicaments. Israël est accusé de génocide par la Cour internationale de justice pour ses actions à Gaza. C'est la fin de ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé-Djibouti.